Yeah, Kina Grannis. Daystorm. Yeah, I'm here, y'all. Yo, you know how I do. Kina about to kill him. Get him, girl. Hello, les filles. Bienvenue au mois de décembre. Oh my god, déjà le 1er décembre. C'est fou comment novembre a passé tellement vite. Puis, juste une petite parenthèse avant de faire ce superbe vidéo. Je ne ferai pas, pour ceux et celles qui m'ont demandé, le vlogmas, je sais pas comment le dire, mais je le ferai pas parce que ça va être impossible pour moi de vlogger à chaque jour puis le mettre en ligne le soir même, là, comme impossible. Là, genre, je vais trop travailler, écoutez, genre, je peux juste pas. Là. Chapeau à ceux qui sont capables puis qui le font, là, pour vrai, là, comme, je sais pas comment vous faites, là, mais oh mon dieu, moi, non, je peux juste pas. Donc, je le ferai pas, mais... En échange, je vais essayer de publier un vidéo par jour. Puis peut-être qu'une couple de fois, je vais vlogger dans le mois. Mais mon but, c'est vraiment de mettre une vidéo par jour. Mais ça sera pas un vlog, ça va être juste un vidéo préalablement filmé. Donc, comme première vidéo, puisqu'on est le 1er décembre, j'ai fait une collaboration avec Elisa, mieux connue sous le nom de La Classe au Féminin. Allez voir sa chaîne si vous la connaissez pas. Elle vient de Paris. Puis elle est tellement gentille, on s'est parlé une couple de fois, puis on a décidé de faire une collab ensemble, puis elle est juste trop fine là, cette fille, puis j'adore ses vidéos là, je trouve qu'elle a tout le temps des bonnes idées, en tout cas, vous irez faire un tour, je vais mettre sa chaîne en bas. Donc comme vidéo de collaboration, on a décidé de faire notre wish list dans le fond, fait qu'on a déterminé quatre catégories, dont mode, beauté, électronique, puis autres, voyons. Ça m'a sorti autre. Donc, moi, je vais faire ma wishlist. Puis, je vais mettre son lien de sa vidéo à elle. Puis, elle aussi, elle va faire sa wishlist. Donc, on s'entend que c'est pas tant réaliste. Ben, oui puis non, mais comme, j'aurai jamais tout ce qu'il y a sur ma liste. Là. C'est impossible. Je sais même pas si je vais avoir comme une chose. Là. C'est vraiment comme, j'ai poussé ça à l'extrême. Genre, my dream wishlist, là, si on veut. Voyons. Que je rêverais d'avoir, là. Mais on s'entend que je l'aurai pas. Mais peut-être que ça peut vous donner des idées. Tu sais, oui, il y a des choses qu'on peut très bien avoir. Là. Peut-être que ça va vous donner des idées de quoi demander pour Noël, justement. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait ce genre de vidéo-là. Donc, si ça vous intéresse, ben continuez à regarder mon vidéo. Donc, la première catégorie, c'est mode. J'ai 4 articles dans ce... Je m'excuse, je regarde ma petite liste. J'ai 4 articles dans cette... catégorie là. Donc premièrement, mon rêve ce serait d'avoir des bottes Michael Kors parce que je vois plein de monde avec ça puis genre je trouve ça juste trop beau là. Fait que ça serait un article que je voudrais. Le deuxième, ça serait un foulard en poil. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais tout le monde, je vais mettre une image là, mais un gros foulard de poil, là. J'ai vu ça dans une vidéo de Cathy XO OX, quelque chose comme ça, une américaine là, elle s'est acheté ça au Nordstrom, je sais pas comment le dire. En tout cas, juste trop beau, là, j'aimerais vraiment savoir ça. Aussi, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un manteau rue de sac, ce qui est impossible, qui coûte beaucoup trop cher, mais qui est juste trop beau. Genre, je trouve ça tellement beau, là, avec le gros poil ici, là, puis comme... Mais c'est trop cher, là, c'est genre 1000$ un manteau rue de sac, là, c'est comme... Impossible que j'aille ça, là, genre, impossible. Puis, un dernier article que j'aimerais avoir, c'est une sacoche Michael Kors. Parce que, on s'entend, là, qui veut pas une sacoche, genre Michael Kors ou genre Guess ou peu importe là, la marque, là, mais genre une belle sacoche, là, ça serait mon rêve. Ensuite, la catégorie beauté. J'ai 5 articles dans cette catégorie-là. Mon premier, ça serait d'avoir la palette Naked 3. Je sais pas si vous saviez, mais il y en a une troisième qui est sortie. Je pense pas qu'elle est encore sortie ici, mais je sais qu'aux États-Unis, je crois qu'elle l'est. En tout cas, il y a deux YouTubers qui ont fait un tutoriel dessus. Ben, des YouTubers américaines. Puis, mais je pense pas qu'elle est encore sortie ici, là, mais oh, elle est trop belle. Il faut que vous ayez voir, là, genre les couleurs sont juste trop belles. Là. En tout cas, je la veux. Ensuite, j'aimerais avoir aussi la Naked Basic parce que, genre, je sais pas, tout le monde l'a. Puis moi, je l'ai pas. Puis c'est juste genre des ombres à paupières vraiment simples que tu peux mettre à chaque jour. Là, c'est genre... Des bases, là, ça le dit, là, des basics, là, genre des essentiels, si on veut. Là, j'aimerais vraiment ça l'avoir. Là. Ensuite, j'aimerais ça avoir la crème désaltérante de Clarins. Le gros format, parce que pour l'instant, j'ai que les petits échantillons. Parce que ma meilleure amie, elle travaille là, au Clarins, à Justine. Puis
Puis elle m'amène tout le temps des échantillons là, parce que moi j'ai faim. J'ai vraiment la peau sèche. Puis c'est ça, ça me prend de la crème, mais genre, il y a aucune crème en pharmacie qui marche là. Puis comme. Elle m'amène plein de petits échantillons, mais des petits échantillons, mais ça se vide vraiment vite. Donc j'aimerais avoir le gros format. Si possible, Père Noël. Ensuite, j'aimerais ça avoir le mascara Dare Real de Benefit, je crois. Je pense bien. Parce que j'ai juste le petit format que Lisa m'avait donné. Mais il est vide, là. Elle m'en avait donné deux, mais ça se vide vraiment vite. Puis comme il va trop bien, ce mascara-là, c'est la vie, là, comment il allonge les cils. Là. J'aimerais vraiment ça avoir le long format. Ben, le long. Le gros format. Et j'aimerais ça avoir le parfum Daisy de Marc Jacobs. Parce que ça sent vraiment bon. Puis genre, j'ai pas tant de bons parfums, genre. Comme j'ai plus des brumes, là. Fait que j'aimerais vraiment ça avoir ce parfum-là. Ensuite, dans la catégorie électronique, j'ai 4 choses. Premièrement, I wish que je pourrais avoir un iPad, genre. Mais si j'en ai pas, comme, je veux vraiment m'en acheter un, là. Comme, je prévois ça, là. Parce que, genre, je sais pas. C'est tellement pratique, là, un iPad. Là, tellement pratique. Que, ouais, un iPad. Ensuite, j'aimerais ça avoir une deuxième batterie pour ma caméra. Parce que quand que je filme, tu sais, ça se vide quand même vite une batterie. Puis, surtout quand j'allais filmer, genre, mes outfit of the day ou genre lookbook, whatever. Genre, comme, on allait comme à des places, comme, quand même loin de chez nous. Fait que, tu sais, si ta batterie, elle meurt, là, comme, c'est fini. Puis, on filmait longtemps, là, comme, toute la journée. Puis, comme, fallait que ma batterie soit chargée au maximum. Sinon, c'est sûr qu'elle te fait pas, là. Mais, c'est vraiment pratique une deuxième batterie, là. J'aimerais vraiment ça, n'en avoir une. J'aimerais ça aussi avoir, parce que là, mon Mac, il y a trop de choses dessus, là. Comme, il est vraiment ralenti, justement, parce qu'il y a trop de stock. Puis, genre, toutes mes vidéos, c'est rendu que, genre, maintenant, j'édite sur le Mac à mon père, parce que le mien, il va mourir si je continue à rajouter des vidéos, là. Fait que j'aimerais ça avoir comme un... C'est comme un autre disque dur, là, ou comme une autre carte... carte de je sais pas quoi, là. En tout cas, pour faire mettre de l'espace, dans le fond, parce que j'ai comme juste 200 gigs, je pense. Tu sais, j'aimerais ça au moins en avoir 500, là. Ça serait déjà mieux. Et j'aimerais ça avoir une deuxième carte mémoire pour ma caméra, parce que j'en ai une en ce moment, c'est 32 gigs, c'est quand même beaucoup, sauf que quand tu filmes des longues vidéos, ça... Puis moi c'est comme full HD en plus, ça prend vraiment de l'espace, là, donc j'aimerais ça en avoir une deuxième, au cas où que je suis en train de filmer, puis là, la carte est pleine, puis là, genre, faut que j'aille en bas, dans mon ordi, je le mets, je le supprime, je reviens en haut, continue mon vidéo, tu sais, ça gosse, là, pendant une vidéo, genre. La dernière catégorie, c'est la catégorie autre. Dans le fond, tout ce qui a par rapport avec ce que je viens de vous dire. Premièrement, j'aimerais ça avoir des thés de chez David's Tea. Parce que là, je suis comme rendue accro, là, vu que j'ai genre la tasse, là, puis j'ai genre en tout, cas, tout le petit kit, là. Fait que j'aimerais vraiment ça avoir d'autres thés, là, n'importe quel, là, juste comme plein de thés qui goûtent bon, là. J'aimerais ça aussi avoir des chandelles chez Bath & Body Works. Ça a vraiment mal sorti, hein. Chez Bath & Body Works. Les chandelles d'hiver, là, parce que là, présentement, j'ai comme juste... J'ai aucune chandelle d'hiver. Non, j'en ai une. Puis le reste, comme automne, là, mais de Noël, tout ça, j'en ai aucune. Fait que j'aimerais vraiment savoir ça. Puis j'aimerais ça aussi avoir une carte de gaz, là. Parce que c'est chiant à payer pour du gaz, là. Puis comme on a tout le temps besoin d'en mettre. Donc ça serait vraiment pratique. Ayons, j'ai vraiment de la misère à parler, hein, ce soir. Je m'excuse. Donc ça serait vraiment pratique, j'aimerais vraiment ça. Donc voilà, c'était ma wish list un peu irréaliste. On s'entend que si on calcule toutes les choses, ça coûte cher. Mais peut-être que ça vous a donné des idées de cadeaux, quoi demander à vos parents. Puis c'est ça, moi c'est des trucs que j'aimerais avoir, mais que tu sais, peut-être à long terme un jour je vais toutes les avoir, mais comme présentement c'est sûr que non, là, on s'entend que c'était vraiment pas réaliste. Mais bon, j'espère que quand même que vous avez apprécié cette vidéo là. Puis n'oubliez pas d'aller sur le channel de la classe au féminin et aller regarder son vidéo, voir sa wishlist, voir si ça vous donne encore plus d'idées, mais sûrement là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes items, là, c'est sûr que non. Donc, allez voir, parce que, en tout cas, moi j'ai vraiment été contente qu'on s'est contacté puis tout, puis qu'on ait décidé de faire une collab ensemble, parce que je trouve ça vraiment le fun. Puis, si vous voulez d'autres collabs ou whatever, parce que on s'entend qu'Elisa, elle habite vraiment loin, là, à Paris. On s'entend qu'il y a comme 6 heures de décalage, puis que
on se rencontrerait sûrement pas pour faire une vidéo ensemble. Donc, c'était comme une alternative, comme pour dire qu'on fait une vidéo ensemble. Donc, voilà, allez sur son channel, puis abonnez-vous à elle, là. Je vous dis, elle fait vraiment des bonnes vidéos. Et puis, allez aussi sur son Instagram, parce que ses photos sont folles. Allez vous abonner, là. Son Instagram, c'est une vie en photo. Je vous dis, là, comme, en tout cas, moi, j'aime toutes ses photos, puis les effets qu'elle met, là, en tout cas, c'est juste trop beau, là, fait que... Allez vous abonner. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. Puis on se revoit demain, si tout va bien, pour une deuxième vidéo. Donc restez à l'affût de ma chaîne ce mois-ci, parce que le mois de décembre va être un mois rempli de vidéos. C'est comme ma manière de vous remercier, genre votre cadeau de Noël. Me forcer à faire une vidéo à chaque jour. Donc j'espère que ça va marcher. J'espère vraiment, j'aimerais vraiment ça. Donc restez à l'affût, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye les filles! In this Christmas, very special Christmas.